11h33 sur France Info, des manifestations pour faire pression sur le gouvernement. 5 syndicats réformistes appellent à se rassembler partout en France contre la loi travail. Ils n'appellent pas à son retrait, mais demandent au gouvernement de revenir sur certaines dispositions du projet. Alors que Manuel Valls doit annoncer lundi ses arbitrages. Parmi les syndicats mobilisés aujourd'hui, la CFTC, Joseph Touvenel en est le vice-président. C'est surtout une manière de montrer que entre ceux qui rejettent tout en bloc et ceux qui voudraient tout accepter, il y a une troisième voie que nous portons avec d'autres, qui est de dire, dans le texte proposé, dans la connaissance aujourd'hui, il y a des choses positives, et donc on veut les garder. Il y en a qui sont améliorables, donc on veut les améliorer. Et il y en a dont on ne veut pas, donc on veut les voir rejetés. Il faut essayer de négocier jusqu'au bout, en gardant, évidemment, la faculté de dire oui, de dire non. Mais il y a une différence essentielle, fondamentale, entre je veux imposer ce que je pense être juste et je veux faire comprendre que c'est juste de faire partager. C'est la démarche de la CFTC. Elle est peut-être moins visible, moins brutale que d'autres, mais dans la durée, elle est beaucoup plus constructive. Joseph Touvenel, le vice-président de la CFTC, rassemblement prévu notamment à Paris à 13h30, place de la République. À Marseille, il est en cours depuis 1h30 maintenant, c'est devant la préfecture.